Dieu vous bénisse, mettez les cœurs, partagez le direct. Je suis en déplacement, je suis venu prier avec des enfants spirituels. Et puis, je suis arrivé tard hier, mais depuis hier, j'avais voulu faire ce direct pour un problème de Wi-Fi, je n'ai pas pu, donc ce matin je vais le faire. Donc, mettez des cœurs, partagez, on va s'exprimer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une guerre entre pasteurs. Certaines personnes qui vont croire qu'il y a une guerre entre pasteurs ivoiriens. Il ne serait pas une guerre entre pasteurs. Depuis les temps passés, il y a toujours eu des pharisiens, même au temps de Jésus. Il y a toujours eu des pharisiens. Il y a au temps d'Élie, il y avait des prophètes qui n'était pas avec Élie. Au temps d'Élie, il y avait des prophètes qui étaient attachés au roi Achab et à Jézabel. Ces prophètes-là qui étaient avec le roi Achab et Jézabel disaient au roi et à tout le peuple que Élie était un fou. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament qui ont défendu le peuple, qui ont défendu la cause de Dieu, qui ont défendu la parole de Dieu, ont été traités de fous, ont été traités d'impolis, ont été traités, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire, c'est que vous ne respectez pas les autorités. Il y a un roi qui est là, il faut respecter le roi. Mais Daniel a désobéi au roi. Quand le roi a voulu qu'on adore une statue, Daniel n'a pas accepté d'adorer la statue. Élie n'a pas accepté d'adorer Baal. Pourtant, il y a des prophètes du peuple de Dieu qui se sont joints aux prophètes de Baal et qui se sont joints au gouvernement de ce moment-là. Ils se sont joints à Achab et à Jézabel. Ils mangeaient dans le temple de Baal. Mais Élie criait, même un moment, Élie demanda à Dieu, est-ce qu'il était le seul prophète? Il demanda à Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis le seul prophète? Et Dieu lui a dit, non, tu n'es pas le seul. Hein? Tu n'es pas le seul. Il y a d'autres qui sont là, ils sont cachés. Mais c'est toi ceux qui parlent. Donc, Élie était là, il parlait, il mettait sa vie en jeu. Quand Jean-Baptiste est venu, Jésus a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Quand Jean-Baptiste est venu, on n'a jamais vu Jean-Baptiste caresser le dos du roi, le dos des pharisiens, le dos des gens de du gouvernement actuel. Non. Jean-Baptiste est venu, il est craché la vérité. Il dit bande de vipères, il est traité de, tu sais pas, Jean-Baptiste n'est jamais venu les caresser le dos. Pourtant, Jean-Baptiste était, d'après Jésus, le plus grand des prophètes. Et Jean-Baptiste ne faisait pas la volonté du gouvernement qui était là. Aujourd'hui, quand un prophète se met à prophétiser, à dire des choses qui sont contre la volonté de certaines personnes, de certains faux serviteurs de Dieu, parce que le faux serviteur de Dieu, il y en a plein. Et je parle spécialement de la cour du roi d'Abidjan. Aujourd'hui, tous les pasteurs, la plupart, vous voyez dans grosses églises, grosses maisons, d'autres même, là, on ne sait même pas son ministère a commencé quand. Un matin comme ça, il a apparu. On dit, oh, celui-là, c'est Bishop Tan, prophète Tan. Vous voyez, il a une grande parcelle à Abidjan où on ne trouve pas terrain là. Il a conçu un grand temple, une grande cathédrale. Il y a des milliers de personnes qui le suivent. Il devient tout de suite international. On ne sait pas où il a eu l'argent. On ne sait pas où il a, quand il a commencé, où il a commencé. Il y a des hommes de Dieu qui ont commencé avant lui, qui ont l'onction plus que lui. Et puis, tu vas voir même, il n'a jamais chassé des démons. Tu vas voir même là, c'est juste du coaching.
La plupart sont devenus des coachs. Ils sont devenus des coachs. Ils sont là pour donner des messages, pour coacher les gens. Oh, il faut faire comme ça. Voilà comment tu dois attraper ta femme. Voilà comment tu dois attraper ton mari. Voilà comment tu... Ça veut dire que du coaching, l'évangile, le vrai évangile n'est pas prêché. Continuez à me protéger le direct et à le partager. Donc, lorsque quelqu'un est loin de Dieu et qu'il sort de l'ordinaire et qu'il commence à prêcher, à prophétiser pour dire au roi ce que tu fais n'est pas bon, de la manière que Élie a eu le courage de le dire, de la manière que plusieurs prophètes de la Bible ont eu le courage de le dire, on dit toi là, tu n'es pas de Dieu, toi là, tu es contre le roi. La Bible dit, il faut respecter les autorités. Mais dans ce cas, Élie n'a pas respecté la parole de Dieu. Daniel n'a pas respecté la parole de Dieu. Et il y en a plusieurs comme ça dans la Bible. Jusqu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas respecté la parole de Dieu. Et même Jésus-Christ même était un rebelle. Jésus-Christ lui-même était un rebelle. Parce que Jésus-Christ condamnait les faux serviteurs de Dieu. Il condamnait le comportement du gouvernement dans lequel il était. Il condamnait l'hypocrisie. Il condamnait les choses qui n'étaient pas bonnes. Mais dans ce 21e siècle, il ne faut pas parler. Il y a des gens qui prétendent même, quand ils parlent par hypocrisie, par orgueil en Côte d'Ivoire, par hypocrisie, « Oh, Kakou Séverin était rempli de l'onction. Kakou Séverin était rempli de l'onction. » Mais Kakou Séverin disait la vérité. Il y a des prophéties encore de Kakou Séverin qui circulent sur les réseaux sociaux où Kakou Séverin disait qu'il allait avoir la guerre. Kakou Séverin disait aux gens de se repentir. Est-ce que vous savez que Kakou Séverin a eu le courage d'aller voir Gbagbo Laurent pour lui dire Dieu m'a dit que tu vas être président. Mais au bout de tel mandat, il faut arrêter. Et quand certaines choses n'allaient pas, il avait le courage d'aller dire. Kakou Séverin ne prenait pas des enveloppes de certaines autorités pour fermer sa bouche. Au contraire, de son vivant, vous l'avez traité de tous les mots, de tous les noms. Vous l'avez traité de tout. Il vous dérangeait. Mais aujourd'hui, il y a certains qui veulent prendre son nom. Oh, Kakou Séverin était sage. Oh, Kakou Séverin était ceci. Vous croyez que si Kakou Séverin vivait actuellement là, cette apostasie qui est en Côte d'Ivoire, votre âme que vous avez vendue, votre esprit que vous avez vendu, hein, ce que vous faites, vous ne prêchez plus l'évangile. C'est votre ventre que vous prêchez. C'est le costume que vous prêchez. C'est l'argent que vous prêchez. C'est les cathédrales que vous prêchez. C'est concurrence de Matthieu vu dans l'église aujourd'hui. Le vrai réveil n'existe plus en Côte d'Ivoire. Jésus-Christ n'est plus au centre de l'église en Côte d'Ivoire, dans l'église évangélique. Et vous ne voulez pas qu'on dise. Et ce qui m'étonne, il y a des pasteurs, hein, excusez-moi, il y a des brouteurs qui viennent, j'aime pas qu'ils reçoivent sur mon direct, voilà. Et ce qui m'étonne, il y a des pasteurs, quand on a tué un chantre, on a égorgé un chantre dans une église, on a vu la tête du chantre à gauche, on a vu son corps ailleurs. Sa tête était dans une église, son corps était dans une église. On savait que c'était cérémonie, c'était une chose qui a été faite. Il n'y a aucun pasteur, aucun bishop, aucun archibishop, aucun soi-disant devancier en Côte d'Ivoire qui s'est levé pour dire « ça, c'est pas quelque chose de normal dans l'église de Jésus-Christ ». Ils ont étouffé l'histoire parce qu'ils savaient tous que derrière, il y avait quelque chose. Mais comme chacun d'entre eux, là, ils ont leur dossier, ils se connaissent. L'autre sait où l'autre a pris son fétiche. L'autre sait qui est initié dans la franc-maçonnerie. L'autre sait qui a 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 10 femmes, 30 femmes. L'autre sait qui fait la magie. Ils se connaissent, c'est un clan. Ils se retrouvent deux fois après un culte, après une veillée, après un programme.
Ils se retrouvent dans des lieux secrets pour aller se faire caresser le dos, dans des endroits privés, pour boire du champagne avec des filles, pour commettre les péchés les plus atroces, même l'homosexualité règne parmi eux. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Et ce sont ceux-là, quand des microbes tuaient la population en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu un d'entre eux qui s'est levé pour dire « Oh, ça c'est pas bien, pourquoi les microbes tuent la population ?» On ne les a jamais entendus défendre un seul instant la population ivoirienne. Si on maltraite eux, si on fait quoi, ce sont des pasteurs qui sont muets, des bishops qui sont muets. Tout ce qui concerne la population, le peuple, ils sont devenus, on dirait, c'est eux, on les a donné le pouvoir de fermer la bouche de tout le monde. Et ils disent rien. Si le peuple souffre, s'ils ont tué quelqu'un, s'ils ont fait, ils n'ont rien à dire. Pourtant, la Bible dit, vous êtes la lumière. La lumière de ce monde est le sel de la terre. Ils ont peur où ils sont achetés, où ils sont déjà vendus. Ils se retrouvent dans les loges, ils se connaissent tous. Je vais vous dire, je m'appelle Atia Normal. J'avais déjà prophétisé et j'ai dit que Dieu va vous dévoiler. Le Seigneur a commencé à vous dévoiler et ça vous fait peur. Aujourd'hui, là, vous avez la démangeaison, ça vous fait peur. Ils ont peur que leurs fesses là sautent au dehors. Ils ont peur qu'on les attrape, qu'on sache que lui là-dedans, lui là-dedans. Donc, ils commencent à bouger tous dans tous les sens. Ils commencent à bouger dans tous les sens. Je vous avais pas dit que la vie du prophète Elie Pada était en danger. Je vous avais pas dit que les gens faisaient un complot contre Elie Pada. Parce que les prophéties d'Elie Pada, les révélations d'Elie Pada dérangeaient. Aujourd'hui, là, ils ont attrapé le pasteur David, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils ont attrapé le pasteur David. Mais quand tu regardes les vidéos du pasteur David, même si on dit qu'il n'a pas été sage dans certaines choses, il a révélé beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses, il a attaqué beaucoup de choses, alors il fallait qu'il se taise. Mais est-ce que vous croyez que le pasteur David, là, c'est aujourd'hui, ils ont décidé de l'attraper. Ils ont prévu ça depuis longtemps. Ils attendaient une occasion pour pouvoir mettre la main sur lui. Et l'occasion qu'ils ont trouvée, c'est qu'il a parlé de policier. C'est cette occasion. Sinon, c'est qu'ils attendent. Depuis longtemps qu'il parlait, il révélait les choses. Il disait des choses. Il attaquait certaines choses du gouvernement. Ça ne les plaisait pas. Ils attendaient l'occasion pour l'attraper. Mais moi, je vais vous dire, attraper le pasteur David, c'est un peu comme attraper le Jean-Baptiste de tous les Jésus qui sont derrière. Ça veut dire quoi? C'est le premier signe pour vous dire qu'ils ont commencé à faire la chasse aux prophètes. La chasse à tous les prophètes qui vont prophétiser contre le gouvernement, qui vont dire quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement là. Ils vont commencer à les attraper. Ils vont commencer parce que c'est bientôt les élections. Ils ne veulent pas que quelqu'un dise quelque chose pour changer la tête du peuple. Ils ont peur de la bouche des prophètes. Ils ont attrapé David, aimé. Mais la personne même qui vise là, la personne même qu'ils ont fermé sa bouche, la personne même qu'aujourd'hui, soit il a fui pour aller se cacher, soit ils l'ont attrapé déjà, soit il est quelque part, on lui a dit, si tu parles encore, on va te jeter en prison. C'est Elie Pada. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est lui avec les autres là qui parlent. Mais lui, beaucoup de gens, surtout depuis la mort de Pédier, où il avait révélé quelque chose qui s'est accompli, depuis qu'il avait parlé du, je sais pas, de, je sais plus si c'était le Gabon, et puis ça s'est accompli, ils ont peur. Parce que dès qu'une révélation d'un prophète sort et que ça s'accomplit, ils commencent à avoir peur de lui. Et sachez que pour avoir Elie Pada, je l'avais prophétisé, je vous avais dit, je vous avais révélé. Pour avoir Elie Pada, il faut qu'il passe par les pasteurs. Il faut qu'il passe par les pasteurs, par les bishops, par les archibishops,
par les faux prophètes, par ceux qui ont de gros titres dans le pays, mais qui sont dans la franc-maçonnerie. Un complot était déjà là. Donc, Elie Pada les dérange. Même d'autres sont venus faire des compliments à Elie Pada pour dire non, tu es un bon prophète, franchement, tes révélations, c'était des stratégies pour s'approcher de lui, pour voir comment ils peuvent mettre la main sur lui. Je prie Dieu, parce que je suis en train de prier, ce que je sens n'est pas bon. Soit il est caché quelque part, soit on l'a interdit de parler, soit ils l'ont déjà pris, et puis ils disent à ceux qui le connaissent de fermer leur bouche, je ne sais pas, mais pour moi, je pense qu'il s'est retiré quelque part. Je pense qu'il est en train de chercher la face de Dieu. Pour moi, c'est ce que j'ose croire pour le moment. Mais, il est visé. Parce qu'ils ont attrapé David là. Elie Pada n'a jamais insulté quelqu'un. Elie Pada n'est jamais venu attaquer, insulter quelqu'un. Il n'a jamais insulté pour Dieu. Il prêche la parole et il donne les révélations que Dieu lui donne. Donc maintenant là, comment ils vont faire pour l'attraper? Parce que si on l'attrape et puis on dit non, il a prophétisé contre le gouvernement, mais il a insulté qui? C'est ce que Dieu lui a dit qu'il a dit. Donc, il passe par les pasteurs, par les bishops. Je vais vous donner une preuve d'une vidéo que quelqu'un a partagée, quelqu'un m'a envoyé par WhatsApp, et puis je vais continuer. J'ai écouté ça hier. C'est un jeune pasteur. Je ne vais pas dire son nom. Ceux qui le connaissent vont le connaître. Un jeune pasteur, un enfant, un kwekwero. On a prêché l'évangile jusqu'à lui, il est né avant-hier. Il a commencé son ministère, là, je ne sais pas, Koukoudioua arrivera. On ne sait pas dans quoi il est rentré. On lui a donné l'argent. Il a commencé à faire du coaching. Il pense qu'il est pasteur. Il se promène, il se prend pour son... Ses épaules sont comme ça. Il se prend pour un dieu, quelqu'un rempli de haine et d'aigreur, d'orgueil. Et celui-là, il se prend pour un pasteur important. Parce que le pays est pourri. Il n'a aucune notion, à part faire du coaching, raconter sa vie. Il est parti à l'école. Donc, il a bien pris ses leçons. Donc, il est peut-être dans le marketing, il est peut-être dans la communication, il a fait des études de ce genre. Il se prend pour un grand homme de Dieu. Et comme dans ces temps-ci, on révèle les choses et que les choses ont commencé à sortir un à un, il s'est dit, si je ne vais pas parler aussi, vraiment, ça, si on nous attrape, nous tous là, on est foutus. Donc, lui, on dirait que il a peur. Donc, il vient maintenant faire un discours pour dire que il aimerait que le gouvernement, il demande pardon au gouvernement. Il appelle même un pasteur qui se dit bishop pasteur. Il appelle le gouvernement, papa, s'il vous plaît, arrêtez les faux prophètes, arrêtez les prophètes, pas les faux, arrêtez les prophètes qui se mettent sur Internet et qui parle contre le gouvernement, qui parle contre ceci. Donc, je vais vous mettre l'audio. C'est une vidéo. Mais comme je n'ai pas envie de montrer son visage, pour ne pas que demain ils disent que j'ai montré son visage, je ne vais pas montrer son visage. Vous allez entendre sa voix. Vous allez entendre ce qu'il a dit. Et quand vous allez entendre ce qu'il a dit, je vais traduire ce qu'il a dit. Il est venu pour appeler le gouvernement au secours, pour dire... Les prophètes qui prophétisent comme Elie Pada, comme Atia Normal, comme tous ceux qui parlent, qui commencent à venir. Mais mon frère, pourquoi jamais tu as ouvert ta bouche pour dire que ceux qui tuent les enfants, qui tuent un chat dans l'église, on les met en prison? Pourquoi tu n'as jamais dit que celui qui tue sa femme pour avoir l'argent, on le met en prison? Pourquoi tu n'as jamais dit ça? Et un coup comme ça, il sort. Ça prouve que les gens ont peur, les gens ont chaud. Un coup, non. Et puis, il avait de l'aigreur dans son visage. Son visage, je n'ai pas envie de vous montrer. Je ne sais pas si je vais vous montrer en fin de compte. Il y avait de l'aigreur dans son visage. Aigreur. Il est fâché comme ça. Il est en train de dire, il a assis, je ne sais pas où, un carreau, André, carreau de toilette. Il croit qu'il est arrivé quelque part. Il est en train de dire, nos pères,
nos pères, les fédérations, ils te disent, et les faux prophètes, ils n'ont qu'à mettre la main. Mais faut t'élever, tu vois, ils n'ont qu'à mettre le veto. Faut t'élever. Qui peut lutter contre Dieu? Vous allez arrêter un prophète aujourd'hui, Dieu va susciter un autre demain. Vous allez arrêter un aujourd'hui, Dieu va susciter un autre demain. Pourquoi vous tremblez? Vous êtes dans la franc-maçonnerie. Vous êtes dans des choses bizarres. Le temps du nettoyage a commencé. Vous croyez que si ce gouvernement n'est plus là, et puis ça, vous le savez, vous savez que si ce gouvernement n'est plus là, là, vous n'êtes plus rien. Votre cul va sortir de vos fédérations à la con de francs-maçons. Là. Vos fédérations, là, on va les démanteler un à un. Parce que vous mangez avec ce gouvernement actuellement, vous êtes des francs-maçons cachés, vous mangez avec ce gouvernement, vous ne prêchez pas l'évangile. Vous êtes des porte-paroles des sataniques. Hein? Donc, écoutez. Ne permettez plus, cher papa, c'est à vous que Dieu a donné l'autorité. Cher papa, cher président d'institution, de fédération, je suis le pasteur Alexandre Amazou, je vous interpelle. Ah, il a dit son nom même. Prenez vos responsabilités. Désormais, quiconque se met sur Internet pour raconter du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, raconter des prophéties bizarres, sans avoir la sagesse de rendre la prophétie et d'aller à ce qui est la tâche numéro un que Dieu nous demande, la prière. Toi, tu connais quelle prophétie? Tu connais quelle prophétie? Toi, tu es né avant-hier. Je te promets que toi, je t'impose la main, tu tombes. Moi, j'aime lancer les défis. Si tu dis vraiment que tu as Saint-Esprit, fais tout pour qu'on se rencontre. Si je t'impose la main, tu n'es pas tombé comme une feuille. C'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est dans la chair que tu prêches. Tu es vide. Et cher papa, chères autorités, tous les prophètes qui prophétisent contre le gouvernement, est-ce que tu as une Bible chez toi? Tu as une Bible chez toi? Au temps d'Élie, toi, si tu étais là, tu allais être avec Achab et Jézabel. Tu allais dire au roi Achab d'attraper Élie pour l'égorger. Toi, tu n'es rien, tu n'as rien. C'est bouche seulement, vous n'avez rien, aucune puissance. Je recommence et je vais montrer ton visage même. Voilà. Je vais interpeller tous les pères de l'église. Ne permettez plus, cher papa, c'est à vous que Dieu a donné l'autorité. Cher papa, cher président d'institution, de fédération, je suis le pasteur Alexandre Amazou, je vous interpelle. Prenez vos responsabilités. Désormais, quiconque se met sur Internet pour raconter du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, je recommence. Raconter des prophéties, pourquoi je vais interpeller tous les pères de l'Église? Ne permettez plus, cher papa, c'est à vous que Dieu a donné l'autorité. Cher papa, cher président d'institution, de fédération, je suis le pasteur Alexandre Amazou, je vous interpelle. Prenez vos responsabilités. Désormais, quiconque se met sur Internet pour raconter du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, raconter des prophéties bizarres, sans avoir la sagesse de rendre la prophétie et d'aller à ce qui est la tâche numéro un que Dieu nous demande, la prière, frères et sœurs et chers papa, La tâche numéro un que Dieu... Oh mon Dieu. Tu me fais pitié. Quand je vous ai dit un jour que Dieu va commencer à dévoiler les faux pasteurs de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes dans les églises de ces genres de personnes, vous êtes perdus. Tu as un pasteur, depuis quand les gens souffrent, ils ne parlent pas. Quand les gens meurent bêtement, ils ne parlent pas. Quand il y a des problèmes bizarres dans le pays, on n'entend pas parler. Et puis un jour, il s'élève. Il dit aux autorités, mais le président dont il parle, les autorités dont il parle, est-ce que ce sont des chrétiens? Ce sont des francs-maçons. Ce sont des mystiques. Ce sont des sataniques. Ce sont des sataniques, des mystiques. Ils font des sacrifices et des trucs bizarres pour rester au pouvoir. Et toi qui te dis pasteur, révérend pasteur, tu viens t'asseoir, cher papa,
Tu les appelles papa. Tu ne connais même pas ton identité. Et tu leur demandes d'arrêter des prophètes qui prophétisent contre la Côte d'Ivoire. Mais ce que je vais t'apprendre, c'est que personne ne prophétise contre la Côte d'Ivoire. Les gens révèlent les choses qui ne vont pas dans le pays. Ce n'est pas prophétiser contre la Côte d'Ivoire. Ce que tu ne sais pas, c'est que les prophètes qui prophétisent aiment la Côte d'Ivoire plus que toi. Les prophètes dont tu parles, ils aiment la Côte d'Ivoire plus que toi. C'est pourquoi ils mettent leur vie en jeu. C'est pourquoi ils se sacrifient pour révéler des choses qui ne vont pas. Et quand une prophétie sort, ce n'est pas pour que forcément ça arrive. Hein. Il y a des gens qui disent, tu as prophétisé que telle personne devrait mourir. Pourquoi elle n'est pas morte? Mais quand une prophétie sort, c'est pour que deux fois, on amène la prophétie pour que les gens se répandent, pour que les gens changent. On ne donne pas une prophétie pour dire, par exemple, il va avoir la guerre parce qu'on veut qu'il y ait la guerre. On donne une prophétie pour dire, faites attention. Dieu peut-être, Dieu m'a montré, il va avoir la guerre ou ceci, cela, pour que les gens prennent des précautions pour ne pas que ça arrive. On révèle pour ne pas que ça arrive. Ça ne veut pas dire que celui qui prophétise est contre la Côte d'Ivoire. Quand un prophète vient se mettre là pour dire prier, prier, Dieu m'a révélé qu'il va avoir ça, 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 ça. Le but c'est quoi? C'est pour amener les gens à la prière pour que ce qu'il a vu n'arrive pas. C'est pourquoi quand une prophétie sort, que vous ne voyez pas que c'est arrivé, ça veut dire que les gens derrière ont prié, ils ont pris des trucs. Donc toi tu te lèves, quel est ton rôle? Tu es qui? Tu es pasteur? Ou tu es, comme on appelle, le porte-parole ou le griot du gouvernement. Tu joues quel rôle? Les fidèles qui sont dans ton église là, il y a d'autres qui ne sont pas à l'aise aujourd'hui. Il y a d'autres qui ne sont pas contents. Il y a d'autres qui n'arrivent plus à payer leurs factures, par exemple. Il y a d'autres, leur enfant est perdu, ils n'ont pas encore retrouvé. Hein? Il y a d'autres même là, ils ont cassé leur maison bêtement quelque part, ils ne savent pas où. Il y a d'autres, on a pris leur terrain. Les fidèles qui sont dans ton église, qui prient dans ton église, tu viens dire des choses comme ça, on ne sait pas d'où tu es sorti. Avec un visage serré, mais je dis, oh, tu as peur de quoi? Tu as peur d'être dénoncé? Tu as peur que ton cul sorte au dehors? C'est ça qui te fait peur, puis tu viens aigri comme ça là, pour sortir, cher, il y a longtemps les gens parlent, ton gouvernement que tu es en train d'appeler, il va faire quoi? Il a arrêté imam, il a arrêté prophète, il a arrêté pasteur. Et puis ça a changé quoi? Dieu a arrêté de parler? Tu es aigri comme ça? Tu viens de montrer ton visage au dehors, mon enfant. Parce que toi, tu es mon enfant. Toi, tu n'es pas mon collègue. Tu es mon enfant. Tu es un bébé, tu es un pépéro. Toi, je t'impose la main, je te délivre en public, tu n'es rien. Ce sont les gens qui ne savent pas, ils n'ont pas de repères, qui te suivent. Peut-être que tu as fait quelque chose, tu as eu l'argent, tu as conçu grand temple. Et puis tu es là-bas. C'est toi, comme un pasteur, on ne vous entend jamais défendre les causes du peuple. Mais quand il s'agit de venir jouer le rôle du porte-parole du gouvernement, mais vous voulez que les gens croient en vous comment? Vous êtes des francs-maçons. Vous êtes des mystiques. Vous êtes des sataniques. Bonjour ma fille Aya. Comme il y a un qui s'élève et qui dit que c'est le préfet de la police qui a attrapé le pasteur David. Mais comment toi tu sais que le préfet de la police a attrapé le pasteur David? Le préfet de la police t'a appelé pour te dire je m'en vais attraper pasteur David. Ou bien tu discutes avec vous, causez, vous avez fait le plan ensemble. Non. Ça veut dire que c'est toi qui es derrière la chose. Ça veut dire que c'est toi qui l'as attrapé, mais tu es venu juste te mettre en public devant tout le monde pour dire non, ce n'est pas moi, juste pour que les gens enlèvent leur pensée sur toi. Mais comment on a attrapé quelqu'un, puis toi seul, dans toute la Côte d'Ivoire, c'est toi seul qui sais que c'est le préfet de la police qui l'a attrapé. Personne d'autre n'est au courant. Donc le préfet de la police t'a appelé, ou bien c'est toi qui l'as appelé, ou bien vous avez fait le plan ensemble, vous avez décidé ensemble, ou bien c'est suite à ta plainte que le préfet de la police s'est levé pour aller l'attraper. Vous êtes au courant?
Tu lui as dit, va m'attraper celui-là un peu. Vous avez, vous vous retrouvez ensemble quelque part, vous discutez, vous vous appelez souvent. Sinon, tu ne peux pas être au courant. Tu n'es pas venu dire simplement, c'est pas moi. Mais tu as donné des détails. Mais les gens qui t'écoutent ne sont pas bêtes. Les gens qui écoutent là, ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Il y a beaucoup de pères de famille qui écoutent. Non, ce n'est pas moi. J'ai porté plainte, mais ce n'est pas moi. Ma plainte est toujours là-bas, mais ce n'est pas moi. C'est le préfet de la police. Parce qu'il a insulté des policiers. Pourtant, il n'a insulté aucun policier. Il a seulement dit que les policiers ont un petit salaire. Ils n'ont qu'à essayer d'investir. Donc, vous êtes dans le pays. Vous avez des titres. Vous avez des gros temples. Vous avez du monde qui vous suit. Et les gens pensent que vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu. Les gens pensent que vous êtes des pasteurs. Les gens pensent que c'est Dieu vous a adoré. Mais Jésus lui-même, là, il n'est plus dans votre cœur. Jésus n'est pas dans votre cœur. Vous prononcez seulement le mot, le nom Jésus. Mais Jésus ne vit pas en vous. Celui qui a Jésus a compassion du pauvre. Celui qui a Jésus a compassion de la veuve. Celui qui a Jésus là, il prêche Jésus pour tout le monde. Il prêche pas Jésus pour un groupe. En fin de compte, ceux qui prêchaient pour dire que les églises, les bâtiments, c'est pas des bonnes choses là. Vous leur donnez raison. Vous donnez raison à ceux qui disent que les dénominations là, c'est pas bon. Vous êtes en train de leur donner raison. Voilà quelqu'un qui se lève. On ne sait pas quelle bête qu'il a piqué. Regardez comment il est énervé. Regardez comment il est énervé. Ou bien dans ces temps-ci, tu n'as plus d'argent. Tes fidèles ont commencé à quitter ton église parce qu'ils ont vu que tu n'es pas. Il y a des choses qui ont commencé à se révéler. Parce que c'est quand vous commencez à perdre certaines choses-là, c'est là où vous devenez aigri comme ça. Parce que vous, là, c'est l'argent seulement. Vous êtes venu d'affaires d'argent. C'est des clans. Hein? Comment tu peux sortir aller dire, non, qu'attraper tous les prophètes qui prophétisent contre le gouvernement. Si Dieu a dit quelque chose à un prophète de dire, toi tu n'es pas prophète, toi tu n'es même pas serviteur de Dieu. Vous êtes tous des bouffons, des lâches et des achetés. Vous êtes des bouffons, des lâches et des achetés. Vous ne servez pas Dieu. Vous servez votre ventre et vous êtes les griots du gouvernement. C'est-à-dire que depuis que vous êtes là, là, on ne vous a jamais entendu un jour défendre la cause du peuple, la cause des pauvres, la cause de ceux qui souffrent. Et nous qui sacrifions notre vie, chaque matin, chaque soir, que nous crions pour les gens qui souffrent, tu t'en vas t'asseoir pour dire, ils n'ont qu'à les attraper. Mais toi, tu sais quel Dieu. Ceux qui prient dans cette église, si tu laisses ce monsieur t'imposer encore la main, si tu t'en vas t'asseoir dans cette église pour dire Alléluia, Amen, tu es déjà sur la route de l'enfer. Ils sont pleins comme ça en Côte d'Ivoire, sortez de leurs églises. Ce sont des sataniques et des mystiques. Dieu là, Jésus là, on peut le prier tout seul à la maison. Tu n'es pas obligé d'aller t'asseoir dans une église pour que Dieu soit avec toi. Prie chez toi à la maison, tout seul. Tu iras au paradis. Que d'aller t'asseoir dans une église pour qu'on détruise ta vie spirituelle par des mensonges. Ça là, tout cela, c'est l'argent qu'il cherche. C'est quel Dieu il sert. C'est l'argent qu'il cherche. Un petit orgueilleux, arrogant comme ça, il est qui? Il fait peur à certaines personnes, c'est pas moi. Il fait peur à certaines personnes. Un petit orgueilleux comme ça, spirituellement, je l'arrête. Sois béni mon fils Gédéon. Mais quoi? Parce que aujourd'hui, je peux décider d'aller à franc-maçonnerie. Puis je vais être multimilliardaire. Je vais jeter l'argent partout sur les gens. Les chanteurs le font, les artistes le font, les dents. L'argent, là, c'est, quand Satan donne l'argent, là, c'est beaucoup. Parce que Satan sait qu'il a déjà acheté ton âme. C'est ceux qui luttent avec Jésus vraiment pour s'en sortir qui ont des fois des difficultés financières. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais vous, vous êtes dans ce monde et vous êtes de ce monde. Vous avez vendu votre âme. Et ça vous fait mal que des prophètes révèlent la vérité. Vous êtes contre tous les pasteurs qui ont l'onction. Vous êtes contre tous les prophètes qui révèlent la vérité.
Et c'est vous les porte-parole. C'est le nom de Makoso qui est gâté. C'est Makoso seulement qui se montre en public. C'est Makoso seulement qui crie en public, qui fait des choses en public. Sinon, il y a pire que Makoso en Côte d'Ivoire. Il y a pire que Makoso, des sataniques, pire que Makoso en Côte d'Ivoire. Makoso même là, c'est lui qui a gâté son nom. Mais lui au moins, on le connaît comme ça, on le voit comme ça. Mais pour vous là, vous vous prenez pour des saints. Vous marchez comme des saints. Vous vivez comme des saints. Pour que tout le monde dise que vous êtes des saints. Alors que ce que vous faites en cachette. Oh my God. Ce que vous faites dans vos loges. La plupart ont déjà fait sacrifice humain. D'autres même derrière, sous leur chair là. La chair, l'autel là. Il y a ossement humain, sacrifice humain. Il y a d'autres qui ont sacrifié des jeunes filles vierges. Il y a d'autres qui ont sacrifié des albinos. Vous êtes devenus des sataniques juste pour avoir la foule. Juste pour que les gens vous suivent bêtement. Que les gens soient envoûtés pour vous suivre. Donc les gens même savent pas pourquoi ils vous suivent. Ils remplissent vos églises. Ils savent même pas qu'est-ce que vous avez de bon. Ils vont s'asseoir seulement parce que vous avez l'esprit d'envoûtement pour envoûter les gens, pour que les gens vous suivent. Et il y a une foule de personnes qui vous suivent partout. Et on croit que vous êtes des vrais pasteurs parce que la foule autour de vous. Pourtant, vous êtes des messagers du diable et des sataniques qui tuent seulement le nom de Jésus. Vous allez venir dire quoi? Oh, moi je prêche Jésus. Quel Jésus? Dans la Bible, il y a des gens qui parlaient de Jésus. On a chassé même un démon qui s'appelle Bas-Jésus. Il y a Jésus et puis il y a Jésus. Il y a Jésus et puis il y a Jésus. Et puis tu dis oui, le prophète ne doit pas prophétiser, il n'a qu'à prier. Mais toi tu lis ta Bible, est-ce que tu as lu l'histoire de Daniel? Tu as lu l'histoire d'Élie? Je ne veux pas citer tout le monde, mais au moins l'histoire de Jean-Baptiste, tu le connais? Tu connais l'histoire des gens qui ont confronté un roi, qui ont confronté un gouvernement à cause de la parole de Dieu? Tu sais que Élie a été poursuivi parce qu'il a osé dire la vérité à Achab. Donc Élie, c'était un faux type. Élie, c'était pas un bon prophète. C'est quelle Bible toi tu lis? C'est quelle Bible toi tu lis? Et aujourd'hui là, c'est le prophète Élie Pada. C'est lui que vous êtes en... c'est lui qui vous dérange actuellement. Parce que c'est lui qui est Abidjan. C'est tout ce que vous dites là, c'est contre Élie Pada. Vous voulez que Élie Pada soit arrêté. Et puis vous êtes associé à des mystiques comme Aziz 47. Vous êtes associé à des mystiques dans votre groupe là. Il y a les mystiques. Il y a mystiques. Il y a franc-maçon. Il y a tout. Vous avez un réseau. Ce réseau là. Vous êtes là. Quand le gouvernement a besoin de vous, il vous appelle. Il vous donne des missions. Et puis vous le faites. Vous croyez qu'on ne sait pas ça? Quand Ahmed Bakayoko vivait là, il vous a tous initiés. Chaque 3h, 4h du matin, au milieu de la nuit, Ahmed Bakayoko rentrait visite à certaines églises. Il partait initier des pasteurs à la franc-maçonnerie. On faisait des choses sataniques dans l'église. Vous êtes tous devenus francs-maçons. C'est pourquoi j'en vais à Dion Robert. Parce que lui, Dion Robert, qui était l'exemple, pourquoi il s'associe à vous comme ça là? Ou bien il est rentré dedans aussi? C'est pourquoi j'ai parlé de lui, sinon c'est un père que je respecte. C'est lui qui nous a prêché tellement la vérité. Pourquoi il peut aller se frotter au mysticisme? Pourquoi il se frotte à ces personnes qui ont vendu leur âme? Pourquoi lui, à son âge, après avoir prêché toute la vérité que nous avons vue, il voit des petits mamailleurs, voleurs, escrocs, mystiques, ou bien ils ont fermé sa bouche? Qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ça. Frères et sœurs et chers papas, interpellez ces pasteurs-là, interpellez ces responsables-là, et mettez votre veto parce que nous vous écoutons, vous êtes le père de l'église. On ne peut pas continuer à rester. Le président de la République est devenu père de l'église maintenant. Parce que c'est lui qui interpelle. Hein? C'est lui qui interpelle. Mais pourquoi tu ne t'élèves pas toi-même pour venir attraper tout le monde? Petit, tu viens de commencer, je ne sais pas quand tu es sorti, où tu es sorti, avec quoi tu es sorti, où tu as pris quelque chose, tu es venu pour te montrer. Un jour comme ça, tu es apparu. On dit, voilà, un pasteur, tant tu as commencé à prendre foule. Petit, il y en a qui ont commencé avant toi. Tu es encore très jeune. Si tu veux vivre longtemps, il faut savoir où mettre les pieds. Fais très attention. Fais très, 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 très attention. Ta bouche que tu as là, que tu blagues tes fidèles avec là, c'est pas contre tout le monde. C'est dans le ridicule. L'église de Côte d'Ivoire est dans le ridicule. Eh ben oui.
L'église de Côte d'Ivoire est dans le ridicule à cause de vous. L'église de Côte d'Ivoire est dans le ridicule. C'est dans l'église de Côte d'Ivoire qu'on égorge un chante. On trouve son corps, sa tête dans une église, son corps dans une autre église et il n'y a personne qui parle. C'est dans l'église de Côte d'Ivoire qu'on fait des travaillements. C'est dans l'église de Côte d'Ivoire les servants de Dieu, les chantes sont habillés comme des prostituées. Leurs fesses sont au dehors, leurs culs sont au dehors, leurs seins sont au dehors. C'est dans l'église de Côte d'Ivoire, on danse le coupé décalé. On appelle des artistes païens, puis on danse coupé décalé dans l'église. C'est dans l'église de Côte d'Ivoire, les pasteurs ne prêchent plus l'évangile, ils prêchent seulement la gloire, l'argent, du coaching. Et l'église de Côte d'Ivoire dans le ridicule, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de réveil, il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous êtes devenu ridicule. Vous êtes ridicule. Mon petit Pekbero, tu es ridicule. Et si tu entends bien, dans toutes mes paroles que je suis en train de parler là, je t'ai pas encore insulté, hein. J'insulte pas. Je décris des choses, je dis des choses. Tu es ridicule. Vous êtes tous ridicules. Vous n'êtes pas des vrais serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les vrais serviteurs de Dieu peut-être sont cachés en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont visibles, qu'on voit sur des panneaux, grandes églises, bling, bling, bang, bang, vous tous, vous avez vendu votre âme. La puissance de Dieu n'est plus en vous. Le Saint-Esprit ne vous parle pas. Jésus n'est pas avec vous. Vous êtes des sataniques, des diaboliques et des mystiques. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Que l'église de Côte d'Ivoire est dans le ridicule. Oh, les gens n'ont qu'à rester à la maison pour prier. Tout le temps c'est à nous Dieu parle. Mais Dieu ne nous dit jamais que les choses vont bien se passer. Ah. Il dit tout le temps c'est à nous que Dieu parle. Il parle de lui. Tout le temps c'est à nous que Dieu parle. Tout le temps c'est à nous que Dieu parle. Mais Dieu ne dit jamais les choses vont bien se passer. Pourquoi les choses vont bien se passer? Si tu as vendu ton âme, pourquoi on va dire que les choses vont bien se passer? Si tu es allé vendre ton âme pour avoir l'argent, pourquoi? Mais d'ailleurs, j'ai une question à te poser. Si tu ne te sens pas concerné dans tout ce que les gens disent, pourquoi tu sors un coup comme ça? Tu es venu juste pour te dévoiler? Ou bien il y a quoi? Qu'est-ce qui t'a piqué comme bête? Il y a quoi? Il y a des choses qui se passent. Je ne me sens pas concerné. Est-ce pourquoi je vais me lever pour venir crier comme ça? Pour dire au gouvernement, oh, ceux qui prophétisent là, il faut les attraper. Ceux qui disent pas, toujours ils sont en train de dire des trucs, il faut les attraper. Qu'est-ce qui t'a piqué? Tu t'es senti concerné quelque part? Tu as eu peur? Il y a quelque chose qui ne va pas? Explique-nous, parce que je ne comprends pas pourquoi tu es sorti un coup comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu as peur de quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours, ça, c'est à nous Dieu parle. Mais toujours, c'est à nous Dieu parle. Mais il dit jamais que quelque chose de bon va arriver. Tu attends des bonnes nouvelles. Est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont pas à manger? Tu sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leur électricité. Tu sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école. Est-ce que tu sais que, même simplement à Yamoussoukro, on dit de casser, ils sont en train de casser certains maquis, certains restaurants maquis qui sont sur la route. Mais pour certains, on laisse. Parce qu'ils connaissent le maire, parce qu'ils connaissent telle personne. Et qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Est-ce que tu sais qu'on a cassé la maison de certaines personnes, aujourd'hui, ils ne savent plus où dormir? Est-ce que ça, tu le sais? Tu sais que les microbes ont tué bêtement certaines personnes? Mais tu es pasteur, là, tu veux défendre des causes, là. Ce sont les causes comme ça, des fois, il faut en parler. On va savoir que tu aimes le peuple de Dieu. On va savoir que tu aimes... Et donc ça, dis ces choses-là, ce n'est pas attaquer un gouvernement. C'est parler de la part de la veuve, de l'orphelin, de celui qui souffre, être la voix des sans-voix. Et ce que nous disons, ce que je dis, par exemple, il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui auraient voulu le dire, mais qui ne peuvent pas, ils ont peur. Ils se disent, je vais aller en prison, je vais faire quoi, on va me tuer. Donc, eux, ils sont là, ils souffrent. Quand même le pasteur David a parlé des policiers, tu penses que tous les policiers étaient fâchés? Il y a des policiers qui étaient contents. Il y a des policiers qui disent, enfin, quelqu'un est venu parler de notre salaire, parce que 180 000 là, ça ne nous suffit pas, hein.
quand je donne ça, je paye le loyer, je fais ça, je fais ça. Donc vraiment, le pasteur là, il y a des policiers peut-être même qui ont remercié le pasteur David. Est-ce que tu sais même si ce sont des policiers même qui lui ont dit, il faut parler de nous. Est-ce que toi, tu peux savoir ça? Est-ce que tu sais? Donc, il n'a pas insulté des policiers. Tu ne peux même pas savoir si ce sont des policiers qui lui ont dit, ah, notre salaire là ne suffit pas. Pardon, un jour, il faut oser parler un peu de nous. Tu ne peux pas le savoir. Et on dit aujourd'hui, il a insulté les policiers. Non, c'est le gouvernement qui a eu peur. C'est le gouvernement qui a eu peur parce que c'est comme s'il est en train d'ouvrir les yeux des policiers pour dire, ah, policiers, vous n'allez pas beaucoup payer. C'est tout. Et ça, c'est en quoi ça dérange qu'on dise que des policiers, ils sont payés tant, donc ils n'ont qu'à investir pour ne pas qu'ils soient supprimés plus tard. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Quand le peuple a faim, que quelqu'un vient dire, oh, le peuple a faim, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quand les gens meurent bêtement, on dit, oh, arrêtez de mettre les gens, quand on vient de libérer les gens qui sont en prison, laissez rentrer les exilés. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Pasteur, monsieur le pasteur, qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Et quand quelqu'un vient prophétiser pour dire, il va avoir la guerre, il n'est pas seul. Il y a des étrangers, des Congolais, des Aïrois, il faut aller tous les attraper. Il faut attraper les serviteurs de Dieu qui sont au Cameroun, qui sont au Congo, qui sont en France, qui ne sont pas Ivoiriens, qui ont prophétisé sur la Côte d'Ivoire pour dire qu'il va avoir des problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu les a montrés. Toi, tu parles des prophètes qui sont en Côte d'Ivoire, mais ce que tu oublies, il y a des prophètes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas Ivoiriens. Mais Dieu a ouvert leurs yeux pour voir certaines choses, pour confirmer ce que certains ont dit en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu ne vas pas les attraper tous? Attrape tous les prophètes du monde entier. Un de ces prophètes-là, c'est un Dieu de malheur. Lui, il ne fait que dire des mauvaises choses. Le Dieu de ces prophètes-là, c'est un Dieu de malheur. Lui, il ne fait que dire des... Et puis... Tu parles même, tu es fâché, tu tapes ta main, on dirait toutou, femme toutou qui a arrêté, qui est assise devant son truc la nuit pour attendre client. C'est femme qui parle qui fait ça. C'est femme qui parle. Et puis, ou bien toi aussi, tu es devenu bête. Moi, je ne comprends pas. Bah, c'est femme qui parle. Mettez les cœurs à protéger mon direct. C'est femme, on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. C'est femme qui fait ça. C'est femme qui fait ça. Tu es fâché, hein? Hein? Comment tu es fâché? Pédi. Oh, sois un peu poli, hein. Dis des mauvaises choses. Jamais quelque chose ne va être bâti. Jamais. Mais pourtant, le même Dieu qui leur parle là n'a pas vu que Laurent Gbagbo allait entrer tranquillement. Et puis, Bleu Bouddha allait entrer tranquillement. Il n'y a rien qui va arriver. Et puis, on serait en train de vivre en paix. Si on peut voir ça, ça veut dire que Dieu est capable de faire plus pour la Côte d'Ivoire. Frère, s'il y a un agenda qu'il faut poursuivre, c'est gagner les âmes. Sortir les âmes des pays. Il dit, il a coupé, sinon il a oublié. Il dit. Les prophètes qui prophétisent là n'ont pas vu que Gbagbo va rentrer en paix, mais c'est que tu es un menteur. Les vidéos sont encore sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Bishop, mais c'est des quartiers normaux. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui avaient prophétisé quand Gbagbo était à la haie, que Gbagbo allait rentrer tranquillement, que Gbagbo allait activer la paix. J'ai prophétisé. Il y a eu d'autres qui ont prophétisé. Toi, tu viens de te réveiller. Qu'ils n'ont pas vu que Gbagbo va rentrer. Mais tu es paniqué, tu es mélangé dans tes paroles. Mais il y a quoi? C'est quel feu qui est sur toi? Ou bien le démon que tu as fait alliance avec lui t'a dit qu'il veut fuir la Côte d'Ivoire, il ne peut plus rester là-bas. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui t'arrive et puis tu es déchaîné un coup comme ça? Ou bien tu penses que tu as le monopole de la parole. Les gens que tu coaches dans ton église, tu les mens, tu fais des discours de coaching là. Hein? Tu penses que c'est tout le monde que tu peux laver son cerveau. Moi, je peux t'hypnotiser même si je veux. Je peux t'hypnotiser si je veux. Petit, faut te calmer. Tu es un bébé, tu es un pépéro. C'est tes poils qui ont poussé trop vite avant. Calme-toi. Calme down, tu es rien. Tu viens de te montrer au public comme ça, tellement que tu te crois sage. Tu viens de montrer à tout le monde dans quel groupe tu te trouves. Tu vois, non? Regarde-moi ça. Regarde. Quand Georges Nama de Jésus-Christ TV, lui aussi il mélange tout le monde, c'est à cause de ça. Georges Nama de Jésus-Christ TV, là, au lieu de prendre les vrais sataniques pour parler d'eux, hein, et au lieu de prendre les vrais sataniques, il mélange tous les pasteurs. S'il a vu Alliance dans ta main, oh, il va dire que tu es satanique. S'il a vu Chevalier, oh, il va dire que tu es satanique. Hein? Si.
S'il a vu quelque chose, que je sais pas quoi, il va dire que truc, il mélange tout le monde. Sinon, vous comme ça là, Georges Nama avait déjà parlé de vous. Il y a des gens, on vous a défendu, parce qu'on a cru que vous étiez des frères. Alors que Georges Nama avait raison, mais lui, il mélange tout le monde. Il mélange tout le monde. Quand ça le prend, c'est dans ça qu'il mange. Donc quand il prend quelqu'un net, il fait ses montages et puis il mélange tout le monde. C'est pourquoi c'est lui qui a gâté son nom. Sinon, vous là, ce qu'il dit de vous là, c'est pas faux. Les âmes, piller l'enfer pour ouvrir le royaume des cieux. Il dit, ce qu'il faut faire là, c'est sauver des âmes, piller. Je vais le laisser terminer. Ok. Comme nous venons d'écouter ici tout à l'heure, okay. C'est un homme de Dieu. Ok. Qui est aussi très vrai. Ce qu'il faut faire, c'est sauver les âmes, piller l'enfer. Bon, toi, tu as sauvé combien d'âmes? Petit. À part ta salle, ton truc, tu fais ton show dans ton église là. Tu es allé sur quel terrain? Tu es rentré dans quel village? Tu es allé prêcher dans quel endroit où goudron n'est pas? Où voiture ne peut pas rentrer? Où il n'y a pas d'électricité? Tu es rentré dans quelle brousse pour aller sauver quelle âme? À part ton confort que tu t'es créé toi-même. Tu sauves quelle âme? Toi, tu prêches quel évangile? Quelle onction tu as? On a vu quel paralytique guérit avec toi? Quel aveugle guérit? On a vu qui venait fesser ses fétiches devant toi et puis tu as brûlé ses fétiches. On a vu quel franc-maçon venait dire qu'aujourd'hui, à cause de ton évangile, il arrête rien. Rien. C'est facile de dire sa bouche, allez sauver les âmes. Toi, tu attends quoi? Tu attends quoi, toi, pour aller prêcher l'évangile? Tu es arrivé. Que ce qu'il faut, c'est sauver les âmes. Comme vous êtes là, il n'y a personne qui parle là. C'est pourquoi vous ouvrez vos bouches large là. Vous croyez que quoi? Moi, Dieu savait que j'allais parler un jour. Moi-même, je ne savais pas que j'allais parler un jour. Dieu sait faire les choses. C'est pourquoi depuis 99, il m'a dit, reste en France. Quand il y a eu les troubles en Côte d'Ivoire, hein? Quand il y a eu les troubles en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre, tout ça, je n'étais pas là. Je n'ai rien vécu. Je ne suis affilié à personne. Je n'ai rien vécu de tout ça. C'est tout récemment, à cause de la mort d'un petit. Un petit qui est mort, que les gens étaient en train de sa mort, que je suis rentré dans des débats comme ça. Mais Dieu savait que il m'avait mis de côté pour qu'un jour je puisse parler. Et ça vous fait mal. Dieu savait ça. Il m'avait déjà donné ma nationalité depuis longtemps. Il dit, reste en Europe. Reste en Europe. Hein? Vous êtes là en Côte d'Ivoire, on ne voit pas quel réveil spirituel. Allez-y dans les villages où il y a les fétiches. Allez-y là où on dit il y a la sorcellerie. Allez-y nous prouver que Jésus est Seigneur. Moi, c'est ce que j'ai fait avant de venir en Europe. Je suis rentré dans des villages. J'ai brûlé des fétiches. J'ai chassé des démons. J'ai combattu le diable. Comme on dit, on combat Satan. Hein? Un vrai prophète, autant de Kakou. Kakou disait la vérité. Il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas tout ça. Mais Kakou Séverin a prêché. Il a dit souvent des choses au gouvernement. Kakou Séverin est parti même voir Gbagbo Laurent pour lui dire certaines vérités qu'il avait à lui dire. Donc Kakou Séverin n'était pas un bon prophète. Élie, dans la Bible, n'est pas un bon prophète. Jean-Baptiste, c'était pas un bon prophète. Donc, pour vous, pour être un bon pasteur, un bon prophète, il faut savoir lécher le cul du roi. Il faut savoir lécher les orteils du roi. Il faut fermer sa bouche contre l'injustice. Il faut fermer sa bouche. Il faut être du côté des hommes riches. Il faut être du côté de ceux qui ont l'argent. Il faut être du côté de ceux qui gouvernent. Si tu veux être un bon serviteur de Dieu, qu'on reconnaisse que tu es un bon serviteur de Dieu, il faut être celui qui est avec ceux qui ont l'argent. Mais tout le monde n'a pas votre appel. Et puis, qui vous a appelé même? Toi, Dieu t'a appelé où? C'est quel Dieu même qui t'a appelé? Tu as eu ton appel là quand? Tu t'es converti quand? Moi, au moment où on faisait l'œuvre de Dieu, toi, tu étais où? Toi, tu es un enfant qui vient d'apparaître. Qui même t'a... Tu as eu ton argent là-haut même pour faire église là. Faut nous donner un peu. Hein? Faut nous expliquer un peu.
On vous connaît à Abidjan, les gens vous connaissent là-bas. Hein? C'est ceux qui ne vous connaissent pas là, qui vous voient avec vos vestes, vos costumes, vous faites les enfants de cœur là. C'est ceux qui ne vous connaissent pas, qui pensent que vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. Vous avez tous vendu votre âme. Abidjan aujourd'hui, vrai pasteur. C'est grave. Peut-être à l'intérieur du pays. Et puis, il y a des vrais qui sont cachés là. Ils font leur œuvre tranquillement. Donc, ne viens pas nous embrouiller. Alors, je redis. On vous regarde avec Elie Pada. Parce que tout ce que vous faites là, c'est centré contre Elie Pada. Parce que moi personnellement, là, je ne m'inquiète pas de ça. Moi, déjà, je ne suis pas Abidjan, je ne suis pas Cabrimont. Je suis Cabrimont, mais je ne suis pas Abidjan du moins. Je ne suis pas... Et puis, je ne sais pas. Mais Elie Pada, là, il vous dérange. Vous avez fait, vous avez géré pour David. Parce que lui aussi, dans ses paroles, il y avait beaucoup de trucs, de manque de salaire, de beaucoup de choses. Vous avez profité de ça. Mais aujourd'hui, là, c'est Elie Pada. Actuellement, là, je pense que Elie Pada s'est retiré parce qu'il a eu beaucoup de menaces. Il allait chercher la face de Dieu. Parce que si Elie Pada avait été attrapé, qu'il était en prison, sauf si vous l'avez attrapé en cachette quelque part, et puis ses enfants spirituels ne savent pas où il est là. Là, oui. Mais sinon, pour dire qu'ils ont attrapé Elie Pada et puis on l'a mis quelque part là, je ne peux pas croire ça. Mais je pense que vous l'avez menacé, comme je l'avais dit. Je pense que beaucoup de complots étaient contre lui. À un certain moment, pour sauver sa vie, il s'est retiré pour aller chercher la face de Dieu. Il s'est tué un peu pour ne pas que... Parce que des faux pasteurs se sont levés contre lui, des faux bishops sont contre lui, des fausses églises sont contre lui, des faux chrétiens sont contre lui et le gouvernement aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Donc, je voulais te répondre. On m'envoie cette vidéo pour dire faut te calmer. Mais ce que j'aime dans l'histoire, c'est que j'avais prédit que vous allez te dévoiler. Vous avez commencé vous-même à vous dévoiler un à un. Vous avez commencé à vous dévoiler. Ce sont vos fidèles qui vont vous juger maintenant. C'est le peuple qui va vous juger. Ce sont les gens qui vous entendent, qui vous regardent. Ils vont savoir réellement qui vous étiez et qui vous êtes. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. J'ai dit un jour, hein, Dieu avait voulu qu'Alassane Ouattara meure. Mais Dieu a maintenu la vie d'Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara va vivre pour qu'on puisse connaître les faux dans tous les milieux en Côte d'Ivoire, dans la politique, dans l'église, pour qu'il y ait un nettoyage. Le jour qu'on va dire qu'Alassane Ouattara n'est plus là, là, tout le monde va savoir qui est qui. Tout le monde va savoir qui est qui. Et ça, là, ça ne va pas tarder. Moi, je vais interpeller tous les pères de l'église. Tous les pères ne de l'église. Ne permettez plus, cher papa. Moi, je vais interpeller tous les pères de l'église. Moi, je vais interpeller tous les pères de l'église. Ne permettez plus, cher papa. C'est à vous que Dieu a donné l'autorité. Cher papa, cher président d'institution, de fédération. T'as voulu, cher président de la République. Tu fais semblant d'interpeller papa. Quel papa même? Tu appelles quel papa? Qui est papa en Côte d'Ivoire là, voilà. Papa qui ne connaît pas le réveil spirituel. Papa qui va faire réunion avec franc-maçon. Qui est papa? Montre-nous, dis le nom d'un papa qui peut se lever en Côte d'Ivoire dimanche pour dire je suis un père. Montre-le. Montre-nous qui est papa. Chacun est papa dans son église. Cher papa. Chers dirigeants de fédération, vos fédérations, c'est tout le monde qui est dedans. Cher papa, honte à vous. Honte à vous. J'en ai fini. Ce que je voulais dire là, je pense que j'ai tout dit. Ça ne sert à rien que je rébisse pour rien. J'en ai fini. Donc, vous allez vous dévoiler un à un. À bas les faux pasteurs. À bas les sataniques. À bas les pasteurs francs-maçons, à bas les pasteurs vendus, à bas les pasteurs Chanel, à bas ceux qui ont vendu leur âme à Satan et qui sont assis dans l'église pour faire semblant des serviteurs de Dieu, à bas ceux qui font du business avec le nom de Jésus alors qu'ils n'ont pas Jésus-Christ.
Moi, chaque jour que je prie, je demande à Dieu de retirer le faux, ce qui n'est pas bon en moi, pour que je sois ce qu'il veut. Vous avez compris? Avant, ceux qui me connaissent, j'avais des grosses bagues d'aigle, j'avais ma grosse bague d'aigle, j'avais ma grosse bague de lion. Je m'en foutais, je portais. Maintenant, même là, quand je me regarde dans le miroir, là, même ma barbe qui est là, j'ai envie d'enlever. Parce que je vais changer mon image. Parce qu'il y a des choses que j'ai fait, parce que je dis, de toute façon, je m'en fous de quelqu'un. Mais façon, c'est devenu, on est en train de juger tout le monde là. J'ai envie de changer certaines choses. Pourquoi? Parce que moi, je sais que j'ai donné ma vie à Jésus à bas, à bas, à bas, à bas et à bas. Vous serez tous dévoilés. Tous. Et je suis sûr qu'il aura un réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Le Seigneur va prendre des jeunes hommes, des enfants. Ils vont sortir de l'intérieur du pays. Ils vont sortir de nulle part. Une onction, comme il est écrit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit tout cher. Et lui, vos fils, vos enfants vont prophétiser. Vous allez voir, il va avoir un réveil spirituel. Dieu est en train de vous jeter. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, papa, faut rester comme tu es, je t'aime. D'accord, si tu aimes ma barbe, je vais rester comme ça. Il va avoir un réveil spirituel. Moi-même, là, j'ai créé école de prophètes bientôt. Je vais enseigner le sacerdoce. Je vais, c'est-à-dire que j'ai des projets, vous n'avez même pas ça en tête. Le réveil là-bas venir. C'est tout ce qu'on demande à Dieu là, c'est Seigneur, longue vie et envoie les moyens. On va créer le réveil spirituel. Le réveil spirituel, là, vous voulez ou vous voulez pas là, on va démontrer que Jésus est Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais vous laisser, je suis arrivé hier chez mes enfants spirituels là. Ils m'ont bien reçu. Hein. Je suis dans une belle petite résidence. Vous voyez? Je vais les faire honneur. Je vais vous montrer. J'ai fermé les volets là. Voilà, vous voyez? C'est un petit truc meublé tranquille. Voilà. C'est mon petit coin. Je suis tout seul. Là, il peut bailler. La chambre est là-bas. Je ne vous montre pas. La douche est là. Tout va bien. Ils m'ont bien reçu hier. Ils vont bien faire manger. Vous voyez? Et là, je suis seul dans mon coin. Tu as vu, j'ai fermé les volets. Il fait jour, mais j'ai fermé les volets. Là, je vais prier encore tout à l'heure. Bien prier, me reposer. Et après, je vais les retrouver peut-être cet après-midi, ce soir, pour prier avec eux. Donc, je suis en mission. Voilà, je suis en mission. Je suis très fatigué. Je suis arrivé à 3h du matin pour prier. Je ne me suis pas encore reposé. Je vais me détendre, me reposer un peu. Et puis voilà, ce soir, si Dieu veut, on va se retrouver. Si j'ai le temps, hein, parce que je suis venu pour prier pour eux. Dans le cas contraire, on verra. Et priez aussi pour moi. Priez pour que Dieu m'accorde longue vie, que Dieu m'accorde la santé. Priez pour que le Seigneur m'accorde les moyens financiers pour que je réalise ce que je veux faire pour son œuvre sur cette terre avant de quitter ce monde. Donc, dans vos prières, pensez à moi. Même si vous ne pouvez pas envoyer d'offrande, c'est pas grave. Mais au moins, une prière, une pensée dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Shalom.